Bienvenue, merci de suivre ce magazine. Au-delà de l'actualité, nous nous intéressons à ce numéro, à la boutique de droit de bureau de consultation gratuite du barreau de Kinshasa, Matete. Nous allons en parler à travers ce numéro en recevant pour vous Maître Dilayène Carole Jean-Paul II. Il est coordonnateur technique de la boutique de droit du barreau de Kinshasa, Matete. Il est point focal de l'avocat sans frontières Belgique. Maître Dilayène Carole, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, alors, c'est un plaisir. Voilà, alors nous parlons de la boutique de droit, du bureau des consultations gratuites du barreau de Kinshasa Matete, c'est là où vous travaillez. Alors, s'il faut parler, définir la boutique de droit, c'est quoi? Au fait, la boutique de droit du barreau de Kinshasa Matete, c'est un endroit où est appliquée la mission, l'une des missions dévolues au bureau de consultation gratuite, comme le nom l'indique, et sont les consultations gratuites. Au niveau de chaque barreau, au terme de la loi qui nous régit, donc l'ordonnance loi 79, -028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'État, dans son article 43 consacre l'existence au sein de chaque barreau de la République démocratique du Congo d'un bureau de consultation gratuite. Dans chaque barreau. Dans tous les barreaux implantés, exerçant sur le territoire de la République démocratique du Congo, il y a un bureau de consultation gratuite qui est dirigé par les bâtonniers ou des assesseurs, un assesseur ou des assesseurs choisis par lui. Et ce bureau de consultation gratuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom l'indique, sont chargés des consultations gratuites et dans les cas de nos barreaux, notamment du barreau de Kinshasa Matete, ces consultations, ces activités de consultation gratuite sont exercées dans les boutiques de droit. Nous en avons deux pour être plus proches de la population. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ces boutiques de droit, si vous avez des ennuis judiciaires, vous pouvez aller, ils peuvent venir vers vous dans la boutique pour avoir des consultations ou avoir des avocats gratuitement. Oui, les avocats gratuitement, c'est nous allons un peu vite en besogne. Ouais. Ça c'est pas comment, parce que quand vous parlez de boutique de droit, consultation gratuite, c'est quoi en clair? Au fait, la boutique dans le cadre du bureau de consultation gratuite a certaines missions. Elle accompagne les bureaux de consultation gratuite, notamment les consultations des personnes désireuses d'avoir des conseils, des avis judiciaires. D'ailleurs, si nous devons aller au terme du règlement intérieur cadre des barreaux, des barreaux de la RDC, dans son article 94, on dit que l'accès au bureau de consultation gratuite est réservé aux personnes qui justifient ne pas jouir des revenus suffisants pour couvrir les honoraires d'un avocat. Okay. Donc déjà, cet article du règlement intérieur cadre des barreaux circonscrit bien les personnes concernées par les activités menées par nos boutiques de droit dans le cadre du bureau de consultation gratuite. Et donc, le bureau de consultation gratuite offre des informations et sensibilisation à la population. C'est déjà l'une des activités. Elle offre ensuite des consultations juridiques gratuites. Donc, nous pouvons parler de l'accueil, de l'écoute, et des conseils, et cela peut se faire de certaines manières, soit à la permanence,
là où nous avons des adresses précises, nous allons les donner. Ça peut être en itinérance, en se déplaçant, en approchant les populations au sein de la ville. Ça peut être en prison, parce que nous savons que les personnes désireuses des consultations et ou de l'aide légale qui sont en prison ne savent pas se déplacer. Et nous avons également ce que nous appelons des caravanes juridiques où on peut sortir de la ville et aller dans les périphéries de la ville, où les personnes ne savent pas se déplacer. Mais aussi, il y a des conciliations, des médiations, des orientations, des référencements, c'est-à-dire envoyer un cas vers des personnes. Nous pouvons recevoir des personnes qui nécessitent, par exemple, un accompagnement psychosocial. On peut les orienter, les référencer. Et enfin, nous avons aussi parlé de l'assistance judiciaire. Voilà les types d'activités que nous organisons. Alors, pour être un peu plus clair, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, pour avoir un avocat, quand vous avez des problèmes judiciaires, il faut de moyens. Alors, votre boutique de droit donne ses services, c'est-à-dire quoi, aide les personnes à avoir des avocats sans payer quelque chose, c'est ça? Tout à fait. Il s'agit de consultations gratuites. La personne qui se présente à vous, vous ne connaissez pas encore les types de problèmes qu'il vient ou qu'il aimerait vous poser. Il vous arrive, vous ne lui demandez rien. Le nom l'indique, ce sont des consultations gratuites. Et vous l'orientez, vous le conseillez et vous l'orientez. S'il faut, comme je l'ai dit, les référencer, vous les référencez. Mais tout se passe gratuitement. Et s'il faudrait l'accompagner, cet accompagnement se fera également, cet accompagnement judiciaire ne se fera pas suivre de l'exigence des honoraires, comme cela s'est fait dans un cas normal d'une personne non indigente. Et donc, nous parlons techniquement des dossiers prodeo. C'est-à-dire gratuitement, nous vous accompagner sans exiger quelque chose en retour. Et cependant, il se pourrait que pour certains cas, qu'il y ait des partenaires. Et donc, s'il y a des partenaires, il y a quelques financements, pas à la hauteur des honoraires, bien sûr. Et cela permet de couvrir quand même certaines charges des avocats. Là, nous disons que les avocats les obtiennent pro bono. Donc, il y a cette sorte de pas tout à fait une rémunération, mais cette sorte d'indemnité qui permet quand même de couvrir tant soit peu l'effort de l'avocat, quoique cette activité-là soit une activité par nature gratuite, donc prodeo, mais parce qu'il y a ces financements, donc c'est comme ça que ça se Maître Carole Dilayed, est-ce que la population a vraiment cette information? Parce qu'on voit beaucoup de gens ici, même à Kinshasa, s'il a des problèmes judiciaires, il ne sait pas quel sens ignorant qu'il y a une boutique de droit gratuite, des consultations gratuites, où vous pouvez aller bénéficier de services gratuitement, par exemple pour avoir un avocat. Est-ce que la population est vraiment informée de cela? C'est justement la raison pour laquelle nous vous remercions déjà. Nous remercions CCTV pour cette invitation, parce que c'est parmi les canaux puissants ou les moyens forts pour faire passer ce message. La sensibilisation. C'est-à-dire qu'il existe dans chaque barreau un bureau de consultation gratuite. Et pour être plus près des populations, ces bureaux de consultation gratuite ont créé des boutiques de droit. Ce sont les endroits où les populations quinoises peuvent se rendre pour se faire accompagner, se faire d'abord consulter
et ensuite, s'il échoue, solliciter l'accompagnement. Nous précisons qu'à Kinshasa, nous avons deux barreaux près les cours d'appel et un barreau près la cour de cassation. Alors, les deux barreaux près les cours d'appel sont les barreaux de Kinshasa Gombe et les barreaux de Kinshasa Matete. Le barreau de Kinshasa Gombe couvre les districts de Lukunga et de Funa, tandis que le barreau de Kinshasa Matete, où nous sommes, et pour lequel nous parlons et nous sensibilisons ici, en séjour sur votre plateau, couvre les districts de Mwamba et de Tchangu. Et donc, au niveau de notre barreau de Kinshasa Matete, nous pouvons accéder au bureau de consultation gratuite à travers les deux boutiques de droit que nous avons, c'est-à-dire une boutique de droit qui est sur place au barreau, à la maison de l'avocat, à la 4e rue industrielle, et une autre boutique qui est située sur le boulevard Lumumba, juste à côté de l'immeuble Apocalypse, l'immeuble Exodus, pour les populations beaucoup plus de Tchangwe. Nous savons que Tchangwe est très vaste, il va de la rivière Njili à Mbakana, juste à la frontière avec la province du Kwango. Alors, on peut bénéficier de vos services gratuits pour n'importe quel dossier judiciaire. Oui, oui, quel que soit les dossiers judiciaires, quel que soit les domaines des droits, la boutique, le bureau de consultation gratuite à travers ces boutiques de droits peut recevoir n'importe quel type de dossier, n'importe quel type de questions, disons d'abord, parlons d'abord des préoccupations, questions, des litiges judiciaires pour les conseils et l'orientation dans un premier temps des bénéficiaires. Alors vous dites que vous rendez service aux indigents, c'est ça? Alors, quelle catégorie? Seulement les indigents. Qu'est-ce que vous sous-entendez par indigents? Parce que c'est vaste. Hein? Ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Parce qu'on peut se retrouver dans une famille, il y a des moyens, mais on ne vous aide pas. Hein? Quand vous avez un problème, ça se passe comment? La notion d'indigence est une notion assez vaste et stigmatise un peu les termes indigents. Nous préférons, en tout cas pour nous, parler des personnes, comme le dit l'article 94 du règlement intérieur cadre que nous avons évoqué tantôt, des personnes qui justifient ne pas jouir des revenus suffisants. Hein, parce que un indigent, bien que l'on appelle les documents qu'on leur délivre, certificat d'indigence. Les documents, on les délivre aussi par l'autorité administrative compétente, notamment de la résidence du requérant, notamment les communes. Les communes. Notamment il y a les communes. Il y a des certificats d'indigence que l'on donne. Mais moi, alors, il y a quelque chose. Fort malheureusement, nous avons plusieurs plaintes que les personnes qui nous arrivent n'ont pas cette attestation parce qu'il aurait demandé certaines sommes. Alors la personne qui déjà ne justifie pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses droits et qui pour être reçu doit nécessairement avoir ses documents ne peut pas logiquement se voir imposer le paiement d'une quelconque somme. C'est une réalité et c'est comme ça qu'au niveau des bureaux de consultation gratuite, les autorités étudient vraiment l'opportunité ou la nécessité d'exiger ces documents, sachant que la personne qui se présente devant vous n'est là pas, non pas par faute de ne pas s'être rendu devant l'autorité, mais par faute des moyens d'avoir ces documents-là. Alors, comment vous détectez que celui-ci, vraiment, c'est un indigent, il manque? Comment vous détectez ça?
Bon, sans la carte, hein, sans l'attestation d'indigent. Bon, déjà, la personne qui se présente, avec une pièce, d'identité, mais également pendant la consultation, à travers les échanges que vous avez avec la personne, vous savez déjà. Mais la consultation, elle est totalement gratuite. C'est-à-dire, pour consulter, on n'a pas besoin de nécessairement de trouver que la personne qui n'a pas cette carte parce qu'il a posé, il n'a pas de moyens, qu'il n'a pas l'attestation. Non, la personne, quoique n'ayant pas l'attestation, le certificat, je m'excuse, est consulté. Et c'est pendant la consultation que l'on pourra se rendre compte de son état de non-indigence pour ne pas l'accompagner judiciairement au cas où il aurait besoin justement de cet accompagnement judiciaire. Ah, là, il est non-indigent, mais il est venu vers vous comme si il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas de moyens. Et là, c'est un cas de fraude. De fraude. Là, et vous les mettez directement. Et les cas de fraude sont signalés parce que ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l'aide légale. Ce sont des personnes qui peuvent elles-mêmes financer leur propre dossier judiciaire. Et nous savons que nous pouvons utiliser les avocats qui sont affectés à ces services ailleurs, notamment aux personnes réellement indigentes ou nécessiteuses. Mais ça peut arriver aussi, Maître Dilayen, vous avez des moyens, mais peut-être on vous a rasé tout, bloqué vos comptes et vous avez que faire. Et cette personne-là, il va aussi bénéficier de vos services gratuits. Tout à fait. L'on peut ne pas être indigent, mais les circonstances font qu'en ce moment-là, vous le soyez. L'on peut aussi être indigent, mais à la fin, on ne l'est plus. Nous prenons deux exemples pour chacun de ces cas. Le premier exemple est celui, par exemple, d'un ministre, d'une autorité ou de quelqu'un qui justifie des moyens nécessaires pour engager des actions en justice, mais qui se retrouve dans une situation telle que il est arrêté, ses comptes sont bloqués, ses avoirs sont gelés et il n'a rien. En cet instant précis, la personne est indigente. Là, vous apportez votre aide. Vous allez l'aider. En cet instant précis, la personne peut bénéficier de l'accompagnement du bureau de consultation gratuite à travers ses boutiques de droit. Mais il peut arriver aussi le cas d'un enfant orphelin de son état qui n'a ni père ni mère, qui se voit dépouillé de sa succession et qui à ce moment-là n'a rien. Il n'a absolument rien, il est dans la rue. Mais après intervention, après accompagnement, après assistance judiciaire, la personne recouvre ses droits, récupère sa parcelle située dans X commune et valant tel montant. Là, il n'est plus indigent. La personne n'est plus indigente. Oh là là. Voilà. Ok. Mais vous avez quand même accompagné jusqu'à ce qu'elle puisse récupérer. Tout à fait. C'est bien. Alors, avec les moyens en main, là, maintenant, il va poursuivre le dossier autrement. Hein, Avec une autre casquette. La personne a déjà recouvré ses droits. Ses droits, oui. Oui, oui. La personne n'a plus d'autres actions, elle a recouvré ses droits, à moins qu'elle ait besoin de poursuivre des actions contre les personnes qui l'ont. Alors là, elle engage les services des avocats.
Voilà. Non pas du bureau de consultation gratuite. Voilà, je rappelle que nous recevons à ce numéro Maître Dilayenne Carole Jean-Paul II. Il est coordonnateur technique de la boutique de droit du barreau de Kinshasa-Matete. Il est point focal d'Avocats sans frontières Belgique. Avec lui, nous parlons de consultations gratuites qui se font au niveau de boutique de droit du barreau de Kinshasa-Matete. Les personnes qui ont des ennuis judiciaires, de dossiers judiciaires, ils peuvent y aller, hein, c'est ça, maître? Oui, ils peuvent. C'est des indigents, des gens qui n'ont pas de moyens. Oui, oui. Vous les aidez, vous les accompagnez gratuitement. La boutique est ouverte à tous les justiciables qui ne justifient pas des revenus nécessaires, alors, suffisants. Il y a des cas en prison, hein, au CPRK, où tout le monde en parle, hein, des gens qui croupissent en prison sans être jugés, des gens qui sont là sans jugement. Et comment vous faites? Parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter la prison, mais ils sont là. Comment vous faites? Oui, nous devons reconnaître d'abord cette triste réalité de nos prisons, notamment de la prison centrale de Makala, qui vit une surpopulation carcérale innommable, non pas du fait du directeur de la prison, mais du fait des organes chargés d'y placer les gens. La prison de Makala a beaucoup plus de détenus préventifs que de condamnés. Le détenu préventif, normalement, en droit pénitentiaire, devait se retrouver dans une maison d'arrêt. Et non pas dans une prison destinée aux personnes en état de purge de leur peine. Les personnes qui sont en train de purger leur peine, leur condamnation. Alors, nous avons également des itinérances là-bas, des descentes en prison. Et présentement, nous avons en collaboration avec Avocats sans frontières Belgique, barreau de Kinshasa Matete, Avocats sans frontières Belgique, où nous sommes point focal. Nous avons des activités en prison, des activités spécifiques dans le cadre d'un projet bien déterminé pour l'assistance des personnes en situation de détention préventive ou l'assistance préjuridictionnelle. Pour voir la régularité, nous assistons donc les détenus préventifs, que ce soit chez les adultes, chez les mineurs et les adultes femmes. Et nous pensons que dans le cadre de cette opération, ça peut tant soit peu permettre également le désengorgement de la prison. Mais déjà, il faut dire qu'une personne qui se retrouve dans cet état en prison, privée de mouvements, privée de toutes ses activités, même financières et lucratives, se retrouve déjà dans une position présumant l'indigence. Donc voilà, en prison aussi nous y allons dans le cadre de l'itinérance du bureau de consultation gratuite. Vous allez suivre des dossiers pour voir des gens qui n'ont pas de moyens, c'est comme ça. Tout à fait, mais chez les enfants et les femmes, c'est déjà un principe. Nous pensons que les personnes vulnérables se retrouvant en plus en prison sont déjà dans un état qui nécessite notre intervention. Les enfants et les femmes. Les enfants et les femmes. Mais nous le faisons aussi chez les hommes. Nous le faisons aussi chez les hommes. Mais ceux qui ont des moyens de revenus suffisants de par leur famille peuvent bien les faire. Et ça, même je dis qu'il s'agissait d'un projet bien déterminé en partenariat avec un partenaire également bien déterminé, et dans le cas présent c'est Avocats sans frontières, mais il n'est pas interdit au barreau de diversifier et de multiplier aussi ses partenaires pour apporter
davantage l'aide légale au plus grand nombre des populations ou de la population où qu'elle soit. Voilà, j'allais même poser cette question. Vous, vous apportez l'aide légale, consultation gratuite, au retour. Comment est-ce que vous faites pour être financé? En fait, ça, c'était ma question. Au fait, dans un premier temps, c'est les barreaux. Ah oui. Parce que, déjà, avant que la loi ordonne ou la loi exige l'existence des bureaux de consultation gratuite auprès de chaque barreau, c'est chaque barreau qui s'organise pour faire vivre ces bureaux de consultation gratuite. Et l'intervention, s'il y en a, des partenaires, vient donner un coup de pouce. Okay. Mais il y a également, sous, comme nous pouvons le constater, sous d'autres cieux, l'aide légale connaît le financement de l'État. L'aide légale connaît le financement de l'État dans certains pays. Nous apprenons qu'ici aussi, l'aide légale est pensée dans notre budget. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs et que nous encourageons. Parce qu'avec ce financement-là, ça peut permettre aux barreaux, à tous les barreaux, de pouvoir élargir les champs d'application et même atteindre toutes les personnes. Mais cela aussi est possible ou pourrait encore être davantage plus performant et avec une visibilité de terrain si la loi sur l'aide légale passée, parce qu'il y a un projet de loi sur l'aide légale dont nous attendons toujours les avancées jusque-là pour que cela puisse permettre à ce que ce soit la situation de tout le monde. Les personnes que les barreaux assistent ne sont pas des gens du barreau. Ce ne sont pas des personnes appartenant au barreau, c'est la population. Et la population, c'est la population d'un État précis, la République démocratique du Congo. Donc, nous encourageons l'État à s'impliquer aussi dans ce domaine de l'aide légale à travers la loi, à travers les financements également des barreaux, pour permettre à ce que cela soit beaucoup plus efficient. Voilà, c'est quand même des services nobles que vous rendez à la population. Et vous savez que la population, elle est pauvre en RDC, mais c'est un problème d'information. En tout cas, beaucoup ne sont pas informés. Alors, s'il faut lancer un message de sensibilisation et en donnant aussi les points focaux, si je peux dire ça, là où les gens peuvent venir pour des consultations, qu'est-ce que vous direz, Maître Dilaye? Merci beaucoup, madame. Parlons ici du barreau de Kinshasa, Matete, où nous sommes coordinateurs de la boutique des droits. Nous dirons que le bureau de consultation gratuite du barreau de Kinshasa, Matete, offre ses services des consultations à toute personne. Consultation gratuite. Il faut préciser. Gratuite. Oui. À toute personne ne justifiant pas des revenus suffisants qui se trouve dans notre ressort, que sont les districts, les communes situées dans les districts de Mwamba. À Mwamba, nous avons Limete, Matete, Ngaba, Kisenso, Lemba, le district de Tchangu, où nous avons Massina, Njili, Kimbanseke, Ntsele, Maluku. Et pour ce faire, le bureau de consultation gratuite a installé deux boutiques de droit. Il y a une boutique qui est non loin du siège du barreau et même dans la maison de l'avocat du barreau de Kinshasa Matete, qui a la 4e rue Limité industrielle, donc non loin du petit boulevard.
Et nous avons aussi un autre bureau de consultation gratuite qui est une autre boutique des droits du bureau de consultation gratuite qui est située sur boulevard Lumumba dans l'immeuble Exodus, situé entre l'immeuble Apocalypse et Kin Marché, donc en plein boulevard du côté Massina sans fil. Et donc, lorsque nous nous rendons à ces deux boutiques de droit, nous pouvons donc être écoutés. Les avocats peuvent écouter vos problèmes. Ils peuvent expliquer la loi qui s'applique à votre cas précis, après vous avoir écouté, et qui peuvent vous donner également des conseils sur ce que vous devez faire. Ils vous écoutent, ils vous donnent la loi qui s'applique au cas que vous leur avez amené, et ils peuvent vous donner des conseils et vous orienter utilement. Et ça arrive aussi, quelqu'un qui vient vers vous, mais il a tort, hein? Après consultation, vous voyez que c'est lui qui a tort. Tout à fait, tout à fait, mais c'est le service normal d'un avocat. L'avocat reçoit tout le monde, l'avocat reçoit et les personnes qui ont, qui peuvent avoir raison et les personnes qui peuvent avoir tort. Mais de toutes les façons, nous ne disons pas que la personne a raison ou la personne a tort, il y a toujours une présomption. Il y a toujours une présomption d'innocence. Et cette présomption n'est ébranlée que par la décision judiciaire, que par un jugement. Après le procès, le jugement. Et donc nous recevons tout le monde, sauf que nous savons déceler, en écoutant, en consultant, les erreurs qui peuvent être celles des personnes que nous consultons, tout comme aussi la personne peut avoir ses raisons, la personne n'est pas être fautive dans les cas qu'il nous expose, et très clairement, nous le lui disons, et aussi, à la fin, nous la conseillons utilement sur les cas qui nous est exposé. Donc, les boutiques de droit du bureau de consultation gratuite du barreau de Kinshasa Matete, les portes sont ouvertes aux indigents. Les portes sont ouvertes chaque jour ouvrable. Chaque jour ouvrable, parce qu'il y a des jours non ouvrables. Ouais. Les avocats sont là en permanence pour recevoir les bénéficiaires. Nous les appelons d'ailleurs bénéficiaires de l'aide gratuite. Ils sont bénéficiaires de cet accompagnement, bénéficiaires de la consultation d'abord, et l'aide vient après. Ok, c'est-à-dire tout au long du procès, du jugement, vous êtes toujours à côté de la personne. De la personne, si la personne a, si le dossier de la personne a été référencé, a été envoyé à l'autorité pour que ce dossier, ce cas, soit suivi. Voilà. Et lorsque ce cas est suivi, on parle de l'accompagnement, on parle de l'aide judiciaire. Mais dans un premier temps, parce que cette aide n'est pas automatique, dans un premier temps, c'est la consultation qui est d'abord gratuite. C'est ce qui est important d'ailleurs. Il y a l'aide, ouais. Oui, parce que cette aide, ce suivi, cet accompagnement, si c'est du fait de l'autorité ordinale, du fait du bâtonnier, le bâtonnier désigne un avocat. Et cet avocat désigné à la charge, porte la charge du dossier. Mais il se pourrait aussi que cet état d'indigence soit constaté directement par les juges. Et là, alors, les juges peuvent commettre un avocat, il peut le commettre d'office, il commet un avocat, et cet avocat, dès qu'il est commis, et que la juridiction qu'il a commis en informe les barreaux, on se retrouve devant un cas qui bénéficie également de l'accompagnement de l'aide judiciaire. Voilà, tout s'est fait facilement.
Oui, tout s'est fait de cette manière. Merci, maître Dilayenne Carole Jean-Paul II. Je rappelle que vous êtes coordonnateur technique de la boutique de droit du barreau de Kinshasa Matete et vous êtes point focal de Avocats sans frontières. Avec vous, nous avons développé, parlé de la boutique de droit du bureau de consultation gratuite du barreau de Kinshasa Matete. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Voilà, c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au prochain numéro avec un autre sujet, bien sûr. Au revoir.